Cher Monsieur Picard, cher Monsieur le Conseiller d'État, cher Raymond, chers collègues, chers étudiants, chers amis, Mesdames et Messieurs, c'est un grand bonheur et un grand privilège de vous recevoir ce soir à la Maison de la Paix, une soirée bien remplie comme on les aime et qui nous rappelle l'avant, la période d'avant. Donc pour cette table ronde que nous co-organisons en partenariat avec le Club diplomatique et la Fondation Solar Impulse. Je souhaiterais commencer tout d'abord par quelques remerciements. Un grand merci à nos partenaires du Club diplomatique, non seulement pour la collaboration de ce soir, mais aussi beaucoup plus généralement pour notre collaboration régulière autour de thèmes très divers, mais qui sont toujours très enthousiasmants. Un grand merci à la Fondation Solar Impulse pour le partenariat autour de cet événement, et bien sûr à M. Bertrand Picard pour sa présence aujourd'hui. Merci aussi, M. le conseiller d'État, d'avoir accepté de vous joindre à nous aujourd'hui pour ce débat. Merci aussi, bien sûr, à toute mon équipe, en particulier Léna Menge, l'équipe des événements et de la com de l'Institut, qui, comme toujours, ce soir, nous donne l'impression qu'il est très facile d'organiser un événement comme celui-là. Last but not least, je souhaiterais aussi, bien sûr, remercier Laura Minou-Novzorour, qui est doctorante à l'Institut en économie internationale et assistante de recherche associée à notre Centre d'études environnementales internationales, qui sera la modératrice de la table ronde tout à l'heure. Depuis mon arrivée à l'Institut en septembre dernier, nous avons travaillé collectivement à l'Institut afin de formuler une identité commune qui soit à la fois inscrite en continuité de notre histoire institutionnelle, riche et longue, et adaptée aux défis du monde dans lequel nous vivons. L'Institut, vous le savez peut-être, est né en 1927 d'une conviction, celle qu'un monde de paix exigeait une collaboration internationale intense et structurée. L'Institut tel que nous le connaissons aujourd'hui est le produit d'une fusion qui eut lieu en 2008 entre l'Institut universitaire des hautes études internationales, créé donc par William Rappart en 1927, et l'Institut universitaire des études du développement, créé dans les années 1960 par Jacques Frémont, qui était alors directeur de l'IUHEI. Cette double filiation nous permet aujourd'hui d'affirmer une identité qui n'a jamais été aussi pertinente. La paix reste bien sûr un objectif et un projet déterminant pour nous, mais il est clair aussi aujourd'hui que la paix est et sera conditionnée par notre capacité collective et collaborative d'assurer un monde durable et plus équitable. La boussole de l'Institut est donc devenue un triangle : durabilité, équité et ou pour la paix. De là, évidemment, vous comprenez combien nous sommes heureux de recevoir ce soir le débat qui va se tenir tout à l'heure et combien ce débat a du sens pour nous. Reconciling Ecology and Economy, a Realist Approach. Ce titre résonne et a plus d'un titre. Cette réconciliation est urgente, nous le savons, et de fait depuis fort longtemps. Elle semble chaque jour nous échapper néanmoins, et suite aux résultats de la dernière COP, le sentiment est peut-être encore plus intense aujourd'hui. Nous savons aussi que passer du quoi au comment, pour reprendre les termes de la chronique récente de Bertrand Picard dans Le Temps, est la frontière contre laquelle nous continuons de nous heurter. Les mots sont là, les convictions aussi, les affirmations sans aucun doute, les émotions peut-être, les angoisses pour certains. Mais comment maintenant transformons-nous toute cette énergie discursive, qu'elle soit positive ou négative, en énergie d'action? Comment allons-nous dépasser les contradictions systémiques, mais aussi individuelles, qui font, par exemple, que nous trions nos déchets systématiquement, mais que l'injonction au retour de la croissance nous amène à continuer à consommer, parfois de manière peu raisonnée? Et ceci, bien sûr, n'est qu'un exemple parmi d'autres contradictions qui sont les nôtres, à chacun d'entre nous individuellement, mais qui sont aussi inscrites au cœur de nos systèmes économiques, sociaux, politiques et de valeurs. Contradictions qui font que là où nous savons qu'il nous faut réconcilier, voire même encore mieux imbriquer écologie et économie, nous continuons très souvent à les opposer. Nous continuons à produire des externalités négatives, environnementales mais aussi sociales, que nous nous empressons d'essayer de compenser. C'est bien, c'est bien sûr mieux que rien, mais
Quand et surtout comment allons-nous enfin déployer des solutions, repenser nos systèmes, nos modes de production, de consommation, d'interaction, afin d'aller non pas vers une simple compensation des externalités, mais vers leur diminution drastique? Là est le défi du comment, me semble-t-il, pour les mois et les années à venir. Et je me réjouis bien sûr de la discussion qui va suivre et qui, sans aucun doute, va aborder toutes ces questions-là. Je laisserai le soin à Raymond Lauretan de présenter M. Bertrand Piccard. Laissez-moi juste vous indiquer que M. Piccard est finalement ici, un petit peu chez lui, puisque son père, M. Jacques Piccard, célèbre océanographe et océanote suisse, était un alumnus de notre institut de la promotion de 1948. Before I leave the word to Raymond, let me introduce Laura, who will be moderating the roundtable today. Laura is a fifth-year PhD candidate in international economics and a research assistant for the project Financing Investments in Clean Technologies at the Center for International Environmental Studies. She's working there together with Joël Noailly on this project. Her main research interests lie at the intersection of macroeconomics, finance, and environmental economics, and focus on the nexus between environmental policy and clean investment. Laura has co-founded, furthermore, and last but not least, I would say, the wonderful initiative Women in Econ Lemon, which seeks to empower women and other underrepresented groups in economics. She also has some experience working for policy institutions such as the IMF and the European Central Bank. So definitely the debate will be in good hands. Let me also welcome very warmly tonight some of the finalists of the Advancing Development Goals International Context for Graduate Students, better known as the Geneva Challenge. Are you there, some of you? Yes, so welcome, big welcome to you. As you may know, the Graduate Institute launched the Geneva Challenge in 2014 with the generous support of Ambassador Yeno Stelin and under the patronage of Kofi Annan, whom the Graduate Institute is proud to count amongst its distinguished alumni. Kofi Annan presented the challenge in the following way. The Advancing Development Goals Contest is a worthy and important initiative and will encourage and inspire young students to be key agents for development and peace. The award ceremony of this award of the Geneva Challenge will take place tomorrow evening with Michael Moller as president of the jury. And some of our finalists who come from all around the world are, as we can see, already with us tonight. So I would like again to welcome them very warmly. So sans plus attendre, je vous remercie toutes et tous pour votre présence ce soir. Et cher Raymond, je vous laisse la parole. Merci Marie-Laure et merci de poursuivre cette belle tradition d'événements en commun avec le club diplomatique qui permettent toujours d'avoir une vue sur des projets brûlants et des sujets brûlants de ce monde de manière extrêmement compétente. Dear Bertrand, Monsieur le Conseiller d'État, ladies and gentlemen, dear guests, also on behalf of the Diplomatic Club, I would like to welcome you for this discussion and this panel on such an important and hot topics, how to reconcile ecology and economy. It's especially a pleasure to do it when it's a friend who is the star of the evening, dear Bertrand. Merci d'être là et d'avoir accepté notre invitation. And I know also that Michel, his wife, is among us. So, bienvenue Michel. Merci aussi d'avoir aidé à l'organisation de cet événement. Et comme tout le monde sait, derrière un homme brillant, il y a toujours une femme brillante aussi. So, Bertrand, how do you feel after this COP26? Any hangover? Well, I'm not sure it's your style. You remain cool and pragmatic, but yesterday I really liked your comment on the Swiss TV. We cannot continue to make believe that the climate transition will be expensive and sacrificial. And a few years ago, you wrote a very interesting book about changing altitude, and I think it's urgent to do so. I'm not sure it's necessary to introduce Bertrand Piccard, but still few words.
He's born in Lausanne, and Bertrand began his career as a psychiatrist before following the footsteps of his father and grandfather, both explorers. And in the lineage of his family, he made history as the first man to fly around the world with a balloon and in a solar impulse followed later on. And in achieving his feats, he's always keen to share his concern about today's world, sustainable development, poverty, climate change. And actually what he wants to do is to stimulate the discussion and ultimately to promote concrete action leading to change. And in the recent past, in this perspective, he succeeded with his Solar Impulse Foundation in selecting 1,000 efficient solutions to protect the environment in a profitable way. And he has a next challenge. His third round the world trip to deliver those solutions to decision makers and to encourage them to adopt more ambitious environmental goals and energy policies. To achieve this goal, Bertrand advocates a realistic approach that reconciles ecology and economy. And this approach is a subject of his last book, entitled in French, Réaliste, which actually is presented here for the second time. First time, I think it was in Paris. That's the second time here in Geneva worldwide. And I think, ladies and gentlemen, our personal duty here is really to try to understand, develop personally, and implement this third way. This third way, the one of qualitative growth that reconciles economy and ecology. And it's about time for us to change altitude. And when we say that, everybody thinks we have to go higher. Actually, we have to go deeper. We have to become very pragmatic about environmental change, and we have to replace big words through actions. And I think we have a short video before your speech, Bertrand. Thank you. History was considered impossible until it had been accomplished. Behind each achievement, explorers have invented the future by going beyond the frontiers of certainties. They have broken the rules, challenging common assumptions to discover new solutions. Today, solving the environmental crisis seems out of reach. We need the same pioneering spirit that has in the past allowed mankind to achieve the impossible. This is how we will find the solutions to change the world. Bertrand Piccard, the visionary behind Solar Impulse, wanted to demonstrate the incredible potential of renewable energies and clean technologies. Solar Impulse was built to carry this message around the world. Hello, Solar Pulse. Hello, Captain Piccard. I am inspired by your pioneering spirit. You know, Mr. Secretary General, if an airplane like Solar Impulse can fly day and night without fuel, the world, of course, can be much cleaner. Hotel India Bravo, turning final, 02 right. More than an achievement in the history of aviation,
Solar Impulse has been an achievement in the history of energy. Let's take it further! What can be done in the sky can be done on the ground. Replacing old and polluting infrastructure by modern and efficient technologies is logical as much as ecological. Convinced that protection of the environment will become a reality only if it's economically viable, Bertrand Piccard has launched the second phase of his action, committing the Solar Impulse Foundation to identify 1,000 solutions that can protect the environment in a profitable way. Developed by startups and corporates, these solutions reduce pollution and improve efficiency in the fields of water, energy, construction, mobility, industry, and agriculture for a better quality of life. Assessed by independent experts and labeled by the Solar Impulse Foundation, they represent the market opportunity of the century, generating jobs and clean growth. In the near future, Bertrand Piccard will travel around the world again to present this unique selection of solutions with one goal: encourage governments, businesses, and institutions to go beyond compromise and set more ambitious environmental targets and energy policies. Here again, the spirit of exploration has a role to play in achieving what many people still consider impossible. And you can be a part of it. Wow. So many friends. I'm really fortunate to have you all here with me this evening. Of course, the team of the Solar Impulse Foundation became friends also, representative of our partners, Pierre-Étienne Bichedler, Magdi Batato, Khalid Belgmimi, George Kern, Magali Anderson, and of course, Raymond Loretan. It's so great. I remember when we were having a raclette in the Alps together, and you said, have you organized something for the launch of your new book? And I said, not yet. And he said, I will do it in Geneva with the Club Diplomatique, exactly like Eric Frémont did it in Paris 3 weeks ago. Unbelievable. So, of course, you mentioned the COP26, hangover or not. Well, it's not our style to have a hangover, but it's our style to speak about what happened. And not only 11 kilometers per day, one guy of our team counted, we run 11 kilometers per day during this COP. So many people to see, so many people to meet, so much messages that we had to bring. And of course, we all hear about the so-called failure. Yes, of course, if you have an agreement that is ready to be signed, and 5 minutes before you have two countries who ask to change the main part of the wording, it can be considered as a failure. But, you know, the COP is not only an international negotiation trying desperately to reach a consensus. It is a lot of corporations, a lot of countries who don't care about unanimity. They want the majority. And they work together to have coalitions to fight climate change, to fight deforestation, to reduce methane, to reduce the funding of fossil fuels. And they have done a lot. They have achieved a lot, and nothing would have happened if they had not been the frame of the COP. So in a sense, the frustration and the disappointment of very low ambitious goals is creating the reaction for companies and countries to go much further. And that would not be possible without the COP. And now, I think what is really interesting is to see who are the people who criticize the most. Because when people are very upset that the Indians and the Chinese are not taking the actions that they want, maybe they forget that in Switzerland,
we have the dirtiest automobiles of Europe because they are the biggest, with the biggest engines, the highest weight, and they are the ones who produce the most CO2 emissions in Europe. And if we want to go a little bit further into humility, we can also remember that we refused a CO2 law, which is actually exactly what the Indians and the Chinese did in the COP. So basically, we are leaders in terms of not doing what we have to do. So what do we have to do? I think we have to change the narrative, because so many people at the COP were resisting against ambitious measures only because they were believing that it would be an handicap for their economic development to fight climate change. And we have to show that it's exactly the opposite. Why is that? Because we are not asking for sacrifice in terms of growth, in terms of GDP. We are asking for investment into efficiency, into the reduction of waste. Because actually, what is really creating a huge amount of pollution is the fact that we waste everything we use. 3/4 of the energy produced in this world is lost because of wrong behaviors or because of old and inefficient technologies. It's the same for the natural resources. It's almost the same for the food. For the food, it's about half of the food produced that is lost. It's 95% of the waste that are wasted because we don't understand that it's a resource. And this is why when I was flying with Solar Impulse, I felt so well, because I was in a world of efficiency. It was renewable energies that were giving me the energy to fly, and it was the efficiency of my plane that allowed to cope with the energy of the sun. And this is why it was absolutely horrible to land and to go back to the world of the past with badly insulated houses, thermal engines, inefficient heating and cooling systems, old industrial processes, dirty ways to burn energy and fossil fuels. But this has to change. So when we hear that the quality of our life should go down to protect the environment, we have to understand why people are not very keen to put their standard of life at stake. No. What we need to show is that we have to replace everything that is polluting by what is protecting the environment. And here, there's just an observation to do. If it is expensive, if it's a cost, that means money you spend and you lose, it will never happen. But imagine that it's an investment. Imagine that it is money that you bring for an investment that will bring you more money. Then you can reconcile ecology and economy. And this is what I call the qualitative growth. And it is possible with proofs that it works. And these proofs is what the fantastic team of the Solar Impulse Foundation has done in the last 5 years, to identify everywhere in the world systems, products, technologies, sources of energy, materials, devices that can protect the environment, but at the same time, boost the economy. We found 1,300. Of course, everybody told us we would never succeed, and this I love. When people think something is impossible, you get in your team great talents, the people who are creative, the people who like to find solutions when people only see problems. And this is actually how we got these 1,300 solutions. And now we have to bring them to heads of states, to big corporations, to cities, to regions. And this is what we did in the COP. We brought, at first, to the First Minister of Scotland. I have to say First Minister of Scotland and not Prime Minister of Scotland for political reasons. We brought a solution guide for Scotland. Selection of 230 solutions that are selected with a high leverage of efficiency for Scotland. And we showed this guide
to 20, about 22, I think, other ministers and told them we can do the same for you. And this, I believe, is something that gives hope because it brings in the quality of the ecological philosophy that we absolutely need. It brings the corporations who produce solutions and startups who produce solutions, and it brings in the political level. And for me, the political level is extremely important. And this is why I wanted, in the debate that we'll have later on, Antonio Rogers, conseiller d'État écologique du canton de Genève, because for me, nothing will happen if we don't have clever regulations. And regulations, it's not what has to ban a lot of things. Regulation sometimes is what can allow new things to happen. When you look at the regulations today, the legal framework in the world, it is still allowed to pollute. And if you attack a corporation who is polluting too much, they will say, what we do is legal. We follow the rules. And this is why there needs to be an incentive with the new regulations in order to put standards and norms in such a way that the new technologies, the new systems, the new products, well, basically the thousands plus solutions, will become necessary, will become mandatory. And then it will pull these startups to the market, it will pull these new products to the market, replacing the old ones. So you see that you can decouple the GDP from the quantity of the consumption in order to recouple it to the quality of the efficiency. And this is a new narrative. And I believe it can save us from this dilemma that I hate. Usually we have an illusory choice, which is completely unfair. We are told either you are for unlimited growth and you destroy the planet, or you go to degrowth and it will destroy the social protection, the pension funds, the salaries and social security. Both of them don't work. And usually you have people who believe that they have to choose between one or the other. Of course we have to refuse both, because both don't work. And this is why we need to go for this qualitative growth and to be realistic. That means to get out of the ideologies. Each time you're in an ideology, you're in a cleavage. So you have the industry on one side and the ecology on the other. You have the right hand of the politic against the left hand of the politic. And what are we? As citizens, we are lost. And we don't know what to choose, and we don't know for who to vote. This is why we need to bring in together the good part of each one. And the good part of each one, I believe, is very realistic. This is why I called my book Realist. Because if you are realistic, what do you want? You are not focusing on the way to think, you are focusing on the results that you want to obtain. And today, we have to obtain these results. Because the situation is really bad. In the last 10 years, we've been speaking about the danger for the next generation, which means that a lot of people didn't really care because they said it's so far away, it's not really threatening. Last year and this year, we have seen that the danger is already for our generation. When you have more than 1,000 people dying from floods in Europe, having their cars and their houses flushed away by these floods, you understand that the danger is already here. But if you notice, I speak about the problems at the end, because usually people speak of the problem at the beginning, and then everybody is depressed, and nobody knows what to do because the problem is too big. No, I want to bring the solutions before, and then you see that it can solve the problems. And with so many solutions, I think there is really a leverage to change the mindset of the people. So of course, you have people who say, and I heard it, don't use the word solutions because they're only problems. Okay,
With this one, probably they are too depressed to be cured. And then you have the others who say, oh, technology will save us. Fantastic. Which technology, we ask. And they say, oh, the technology to reabsorb the CO2, so we can emit as much as we want because we will reabsorb it. Okay, today there are maybe some hopes that it might become profitable in the future, but it doesn't work yet, at least not in a profitable way, so people cannot use it in the industry. And then you have the people say, yes, no, beautiful solution. We can put nanoparticles on the highest atmosphere, and it will reflect the sun toward the outside. So we will cool down the atmosphere, which means that we can warm it up artificially, because we can cool it down artificially, and we will disbalance nature twice. So, of course, technology in itself is not the solution. The solution will be what we do with the technology, how we implement this technology. And this is what I would like to see in the debate that we will have in the next minute between the industry, with Magali Anderson from Holcim, with Antonio Auger, ecological conseiller d'État, Laura, representing the graduate, how do you pronounce it now? Graduate Institute Geneva, the name changes all the time. And I want to show how the industry can bring in solutions. And we've discussed this with Nestlé, with Soprema, with Breitling, with Prime Energy, and we'll have Holcim to explain that also. So I would like this speech to bring hope, but only in a realistical way, because some people tend to say, oh, we love to invite Bertrand Piccard for a speech because he brings hope, and when we get out of the room, we feel good. I don't want people to feel good. It's not my goal. I want people to feel active, involved, committed. This is what hope is for. And this is why I would like you to be the ambassadors of this message. Not the stupid hope that makes believe there is no problem, but the hope that is based on the quality of what we can achieve, on the quality of the solutions that give us the wish to act. And to act right now, because we know why we have to act and how we are going to reach the goals. So I would like you to be the ambassadors of this message. And for you, the work doesn't start by coming here. It will start when you leave, and that I would like you really to speak to as many people as possible about solutions, about action, and about supporting the people who are doing the right job, like Antonio Rogers, because when I was speaking with Simonetta Samaruga last week, she told me, each time I do something, people tell me it's not enough, or they tell me it's too much, but there is never people supporting me. So we need to support the one who really want to act. And this is how we can do our part. We can do our part by reducing waste, by reducing energy. We can do our part when we are in a big corporation by taking the good decisions. We can do our part when we are ecologist activists by pushing the governments with demonstrations, with protests, with a climate strike, to give a legitimacy to the governments to act. And all of us, we have to support this systemic approach, remembering that a puzzle is complete when we put all the pieces in, not when we leave some pieces out. So let's be inclusive, let's be federative, and thank you very much for being here, because for all of my team, for Michel and me, for my family, it's great to feel so many support. Thank you so much. Les genres.
filles sur les chaises en rose. Voilà. Les filles, c'est en rose. So, welcome everybody. It's such a pleasure and honor to be here today and moderate this great roundtable. I would like to introduce to you first the two panelists. We've heard a lot from Bertrand already, but I have Antonio Hodgers right next to me, who is a Swiss politician, a member of the Green Party of Switzerland. You've been a councillor of state of Geneva since 2013 and president of the Council of State from 2018 to 2020. And I also read that you've had a moving life. So you came to Switzerland as a refugee from Argentina in 1981. And you made your way through this very institution, actually. You have a degree from here. And 2 degrees. Before the fusion. Perfect, perfect. You have been also an entrepreneur in the region before you made it to the political ranks. So yeah, fascinating journey, and welcome back here. Thank you. And then we have Magali Anderson, who is the Chief Sustainability and Innovation Officer at Holcim, who's a global leader in sustainable building solutions and responsible for putting sustainability at the core of Holcim's strategy. You have a background in mechanical engineering, and you're also an outspoken advocate for women in the industry. And you've been elected Woman of the International in 2018 at the Women's Industry Awards, and have founded a site called La Pétroleuse, sorry for my French, where you offer expertise to women in the industry. So welcome, Magali, it's a pleasure to meet you. Thank you, and good evening, everybody. Very happy to be here. Okay, so let's jump in. I would like to start with a question to you, Antonio. So we've heard a lot about Bertrand's ideas about how we can be, let's say, realist about mitigating climate change. Why has it been so difficult from the policy perspective to implement the policies needed at a stringency that are suggested by scientists, whether it's carbon taxes or other? Thank you for the question. Thank you, Bertrand, for the speech. I'm sorry for my rusty English. So it's a long time ago that I don't speak in English. Maybe can I pass to the French or no? Yeah. Yeah, it's okay for you. Maybe it's be easier for me. And I remember that at the Institute, we have to understand both languages. N'est-ce Are pas? You testing me right now? N'est-ce pas? Non, mais vas-y en français. Merci. Je pense qu'il y a trois niveaux, d'un point de vue politique, qui sont des niveaux que je vais décrire de difficultés croissantes. Alors, la première chose que j'aimerais dire, c'est qu'il n'y a pas de politique en dehors de la réalité. On a à être réaliste, sinon on ne fait rien. On peut faire de la poésie, on peut faire de la philosophie, on peut faire plein de choses très créatives, mais le CO2, le phénomène de réchauffement climatique, est un phénomène physique qui a à voir avec la science, qui a à voir avec la matérialité, comme la crise sanitaire aujourd'hui est un phénomène biologique. On doit se baser sur la science, sur le constat scientifique pour agir. Ces deux crises ont cela en commun. Il y a d'autres enjeux politiques, évidemment, que ceux-là, mais ces deux crises partent de la science. Et donc, la science nous ramène à la réalité, forcément. Sinon, on ne fait rien. Le premier niveau, c'est peut-être le plus facile, c'est de changer ce qui ne touche pas à notre quotidien, ce qui ne touche pas à la vie quotidienne des gens. Et c'est ce sur quoi Bertrand Piccard a beaucoup insisté, c'est les gains en efficience, c'est les innovations technologiques qui, finalement, globalement, pour la population, sont acceptées. Il y a parfois des petits changements d'habitude à avoir, mais, par exemple, quand on rénove un immeuble pour le rendre beaucoup plus efficient d'un point de vue énergétique, bon, il y a les travaux, mais à la fin, on a toujours notre immeuble. On a toujours du chauffage, on a toujours de l'eau chaude, on a toujours notre appartement. Donc, quand on achète une voiture électrique, on a toujours une voiture. On peut toujours faire les mêmes déplacements qu'avant. Ça, je dirais que c'est le niveau d'acceptation le plus élevé.
Ensuite, il y a le deuxième niveau. C'est quand il faut changer un peu nos habitudes. C'est typiquement quand on renonce à la voiture pour prendre le vélo. Ou quand on demande aux gens de manger moins de viande rouge. Là, on est sur des comportements. D'ailleurs, assez vite, l'État, dans nos démocraties libérales, arrête les obligations et plutôt dans l'incitation, à juste titre. Mais on sait que ces domaines-là nécessitent un accompagnement, un changement, et ils se font assez lentement. Par exemple, le taux de végétariens chez les jeunes, et, bon, nous, les Argentins, on ne compte pas. Hein. Mais le taux de... Exception culturelle, comme on dit en France. Mais le taux des végétariens chez les jeunes générations est beaucoup plus important que chez les aînés. C'est intéressant, c'est un phénomène culturel, en fait, qui est en train de se mettre en place. Et puis, je dirais, le troisième niveau est le niveau le plus difficile, voire impossible politiquement, c'est quand on demande aux gens de renoncer à des choses importantes de leur vie, à leur confort, à des libertés que donne aussi, bien évidemment, un certain confort matériel. Et je pense que la question fondamentale que pose Bertrand Piccard est, est-ce que ce premier niveau suffit à résoudre la crise écologique globale? Moi, je pense que ce premier niveau suffit à répondre énormément, à répondre, je dirais, presque à la majeure partie du problème. Je ne suis pas sûr que les gains d'efficience nous permettent de répondre à toute la crise écologique, dans le fond, qu'elle soit climatique, qu'elle soit sur la biodiversité. Mais une chose est sûre, c'est qu'on doit aller jusqu'au bout de ce niveau-là avant d'éventuellement s'attaquer aux autres. Et ça, je suis intimement persuadé que le chemin qui doit aujourd'hui être fait, et je rejoins totalement les propos de Bertrand Piccard, c'est qu'aujourd'hui, l'écologie, elle ne fait pas envie. Aujourd'hui, l'écologie, elle crée de l'angoisse, elle crée un manque de futur, elle crée justement ce qu'on appelle l'éco-anxiété ou la solastalgie. Vous connaissez ce terme ? C'est l'équivalent de la nostalgie, mais c'est à l'inverse, c'est la peur du futur, c'est la crainte d'un futur dégradé. Et c'est certain qu'aujourd'hui, on n'arrive plus politiquement à avancer parce que les gens sont dans une logique d'effort. Je dois faire quelque chose, mais ça va être dur, ça va me faire mal, ça va me coûter. Et ça, ce n'est pas une posture qui permette d'avancer. La COP26 l'a montré, la votation en Suisse sur la loi sur le CO2 l'a montré. Et nous devons retrouver, comme Bertrand l'a dit, un narratif pour rendre positive cette transition écologique. Les solutions techniques, elles existent. Les pionniers les ont posées. Moi, j'ai un plan climat cantonal de 200 pages. Avec ça, on fait la neutralité carbone à Genève. Il y a des budgets, il y a les services de l'État concernés, il y a les délais. C'est un plan opérationnel. On sait faire la neutralité carbone. Ce n'est pas un problème de recherche ou de trouver une pierre philosophale technologique. On sait la faire globalement. Donc le problème, aujourd'hui, il est politique. Et la politique, c'est faire envie, c'est donner une direction collective, c'est donner une vision de société qui fait que les gens s'engagent pour dire « ben oui, notre société, elle sera mieux quand on sera là-bas ». Et ça, je pense que c'est tout à fait ce qu'on a à faire ensemble. Thank you very much for that enlightening answer. Magali, maybe we can continue talking about the private sector perspective of this. So, is the private sector ready to make the necessary investments for clean innovation, and what are the bottlenecks facing the industry? Thank you, Anne. Je peux parler en français, mais je vais peut-être continuer en anglais parce que j'ai plutôt l'habitude de travailler en anglais et de parler. Sinon, je vais vous faire un franglais qui va être horrible. So, thank you. I think the private sector, I don't know if it's a question of readiness or not. I think it's a question of survival. I think everyone in the private sectors understand that if they don't move, someone else will move for them, and they won't have a great future. And but as we said, it's not so much what we need to do, it's how we need to do it. So I will take the example of Holcim, because that's the one I know the best. The first change came when the board of director and Yann Yenisch, our CEO, decided to create my job, the CSO job, at the ExCo level.
That's very important because you can't progress if you don't embed sustainability in every decision you make. It cannot be a side topic that some internal advocate are having and or internal, I call myself sometimes an internal activist. It has to be embedded in absolutely everything we do. And it's a huge signal as well to everybody, both external stakeholders, such as shareholders, but also to our employees. Then you need to have a vision, and I think there's no other vision than net zero. I think on this one we have no much choice. So we came with our net zero pledge 1 year ago, but that's not good enough. Something that is coming out of the COP, and I spent also a fair bit of time there the last 2 weeks. Something that came out is, as Bertrand said, it's great to see so many coalitions, so many pledges from private, from public, etc. But of course, the next question that people are asking straight away is, fine, so you have a super vision for 30 years. I don't know if you saw all this little cartoon of the man saying, I will stop drinking in 2050. So that's the same type of question people are asking. But we need to move now. So what's the action? So in our case, something you have science behind. So there's an organization called Science Based Target Initiative, which validate your roadmap, etc. So we did that. At least it gives some credibility. But still, what do you do today is what is important. So we're very proud to have 19 of our solution part of Solar Impulse label. So we're proud of that. And basically, I remember when we launched a bit more than a year ago our global brand of green product, of green concrete, sorry, called EcoPact. There's a lot of debate. Is the market ready for it? And there is a moment I think we need to stop asking who is the chicken, who is the egg, and you just go for it. And then we decide it. But of course, you need to have a CEO like Yann Yenich to do that, by the way. You don't necessarily manage to do it without that type of push. So we just decided to put it everywhere. We now have it in 24 markets in all our regions where we operate. And what's quite amazing is it's not yet representing a majority of our sales. It will take a while, but we sell it with a premium. And for example, in India, since we deployed it this year, we have reached 6% of the sales. So for people in business, I think you realize 6% of sales in a few months for a product with a premium pricing in a country like India. If you can do that there, you can do that everywhere. And then I think we need to stop asking questions. We have those products, we just deploy them, and we make it happen. Now, that's the short term. That's what we can do today. And like I said, we have 19 solutions and few more that are still in the pipeline. It has to be good for business. Because at the end of the day, if you want to motivate your operational guys, you know, Holcim is in 70 countries. If I want each CEO to be my own internal activist, I need to make sure that the guy is not only motivated personally because maybe he has kids who push him or whatever other reason he might have. Or I say he because we don't have that many she's. We also need to make sure that he's being incentivized the right way. So he doesn't have a contradictory objective between the financial ones and the sustainability one. So we have aligned that, and I always say the CFO is my best friend. I actually suspect she wants my job because she talks about sustainability so well. But it's super important in the company to align what we do on the finance side. But you can only do that if you prove to your operation that it makes business sense to do it. So it's not just a cost. So now on the longer term, of course, innovation. We know what to do ourselves for the next 10 years with the current existing innovation. There will be a moment that we will need some more disruptor. And I also have to justify the innovation part of my job. So I need to say that anyway, not joke apart. But we can't be, and I like what Bertrand said earlier, we can't be sitting, and sometimes we hear that a bit too much, of people sitting and saying, oh, there will be that magic innovation happening someday that will save us, and in the meantime, I do nothing. That's not possible. Now, so all of that, it's actually quite easy. It was not the most complex. I would say for me, now we are going to attack the hard part, which is how do we change the actual business model?
And this is where the company from a traditional industry like the construction industry, it starts becoming complex. Today, the way cement and concrete companies have been selling their product until now is by volume. The more I sell, the better, the more money I make, this is great. Now, if we really want to lower CO2, I need to sell less. So how do I get incentivized to sell less when I make money by selling more? That doesn't really work. Now, it can work if we completely change the business model. And I will give you an example. And now I'm going to talk a bit about innovation. We today have started making some really great leadway on 3D printing. I was actually, we've made a bridge that is in the Biennale in Venice. I was actually just there yesterday, which is quite incredible, which is all using recycled material, using 70% less concrete, holding by itself, you know, the old way, like an arch, like it used to be, so it's not there's no reinforcement into it. It's fantastic. Now, it's fantastic if I sell a bridge and I don't sell cubic meters of concrete to make it. And it's the same if I start selling square meters, if I start talking about CO2 to make a square meter of whatever you want to build versus cubic meters of concrete. And that today, we don't have it. We want to do it, so we have the will, but this is where you start talking about the value chain, you start talking about your client, you start talking about the prescriptors, etc. And for example, we're just talking about it, something that public tendering could do quite easily tomorrow morning is pushing for looking at the CO2 of the overall product. Some methodology to do that using what we call EPD, Environmental Product Declaration, where part of your tendering process, you have the CO2. And then I will finish with the norms. Norms have to help, and I think one of the issues with the norms in many countries is that they don't evolve as quick as innovation. And I will just give you one example. In Switzerland, we have a cement called Susteno, and it's a cement that takes the rubbles from the construction. So you have a building, you destroy it, you make it, you grind it, make it powder, put it back straight in the cement. 20%. We are working today with the norms body because we know we can make it to 50%, but the norms stop us at 20. But it's actually great that at least we can go to 20%. That's the only country in the world that allows it today. So I could tomorrow deploy my Susteno worldwide. I cannot because the norms won't allow me. Even though a country like Switzerland, which I think you would all agree with me, is very strong on the norms, does. So I was just giving some few avenues, but I think we all have to do our part. So we can't, as a company, say, I wait for the norms to change. I wait for innovation to happen. I wait for my market to evolve. We can all start immediately acting. Thank you so much. So many ideas in the industry. It's great to hear. Bertrand, I want to pick up on your comments about the COP26. So you were saying that there's a lot of frustration and that can hopefully lead to more action if it's used in a constructive way. But what is holding us back if there is a strong business case for an ecological transition? And maybe just as a little provocation, you saying that there is a strong business case, we don't need to adjust our behaviors that much. It's the wrong narrative that we believe in. But it is true that some jobs are going to get destroyed and maybe others get created, but that's different people who have those jobs. So how do we reconcile that narrative of we don't need to have such disruptive change in our own lives for, let's say, a representative group of people? I think what happens in international negotiations is that the negotiators, they have to go back home. They're not living in Glasgow. And when they go back home, they have to submit the commitments to the parliament, and sometimes by a referendum to the population. And the more ambitious they are, the more afraid they are to be punished when they come back, because they have given too much. And this is why it is so important that they can really understand all the opportunities that can make the narrative much more sexy. If they come back and they say, we committed to emit less CO2,
they're not going to be applauded. If they come back and they say, we have the way to create more jobs, to reduce the energy bill of the population, to have another type of mobility, and by the way, it also protects the environment, everybody will applaud. And I think this is the big problem. You know, we speak about India. Narendra Modi launched the Solar World Alliance. He's the one who made a public procurement for LED lamps, for 800 million LED lamps, bringing the cost from 6 euros to 60 cents. So he knows what to do, and he's doing it partially. Now, for him, it's really difficult to commit for more, as it is difficult for Switzerland to commit for more. And this is why we have to bring the industry on the front line of the story. If the and this brings me to two op-ed that we have co-signed with CEOs of our partners, but big corporations, huh? Nestlé signed it, LVMH, Soprema, Air France, BNP Paribas, they all signed it. And what was it? It was the voice of the corporations to ask the governments to be more ambitious. And if you have the corporations who push on one side to be more ambitious, and you have the ecological activists who push for the same thing, then you have a chance to have the governments understand that they are supported to be more ambitious. But you know, in the discussion once with a federal councillor, he told me, I cannot do it, I don't have enough support in the media. No, really, this is what they need. So when I hear Antonio Rodgers who says, we know how to do, we have all the program ready, but it is so difficult to implement it, I love this honest declaration that you do, because now the question that I would really like to raise on this panel is, what do we have to do to go further if the politic is ready, but they are paralyzed? If the industries are ready, the market is there, but the norms are not following, the ecologists are pushing, but people resist, and we know we have to do something, and to do it fast. As an economist, I would say incentives are more important than norms. So maybe a follow-up question to you on the gridlock of politics. Do you think to increase the consensus among the population for such policies, we need a new social contract? Do you think that is a bottleneck that we're facing? Je pense, pour revenir sur ce qui a été dit, c'est qu'il faut effectivement décrire un futur attractif. Il n'y a pas de projet politique sans envie de futur. Si on a peur du futur, si on dit dans une semaine c'est la catastrophe, qu'est-ce qu'on fait tous? On va acheter des boîtes de conserve et on se protège. L'action collective vient fondamentalement, et c'est une réalité dans tous les partis politiques finalement, c'est la réalité de la politique, c'est l'action collective vient du récit autour d'un futur enviable. Et là, c'est fondamental d'insister là-dessus, comme le fait Bertrand Piccard, parce que aujourd'hui, on est, bien sûr, qu'au niveau politique, on est conscient, on lit les rapports, dans cette salle aussi, on a un niveau intellectuel, il y a une connaissance des rapports, etc. Donc, il y a toute une grande partie de la société qui pousse aujourd'hui à cela. Et puis, voilà, après, on discute, et c'est vrai que les pionniers ont cela. La difficulté, c'est d'aller là où on ne peut pas aller. Vous y allez comme votre tour du monde, à un ou à deux, quelque part. Moi, comme politique, je dois mettre 500 000 personnes dans l'avion solaire. C'est-à-dire que je dois convaincre tout le monde de monter, en fait, dans ce projet-là. Et c'est là où on retourne, comme vous l'avez dit, sur « mais qu'est-ce qui va devenir de mon métier de mécanicien ?» Qu'est-ce qui va devenir de ci et de ça? Et je pense qu'il faut placer ce narratif de l'envie et de dire que le futur
sera écologique ou ne sera pas, mais que ce futur écologique sera meilleur que notre présent carboné. Et il faut construire un narratif qui passe par les innovations technologiques, qui passe par les innovations entrepreneuriales, qui passe par des nouveaux modes de se déplacer, d'habiter, de se nourrir, comme je l'évoquais, qui touche un peu à la consommation et qui passe aussi en partie par l'avènement de nouveautés culturelles. Donc, pacte social, bien sûr, parce que là-dessus, on l'a vu, quand Emmanuel Macron met en œuvre une promesse électorale qui était celle de remettre la taxation du diesel au même niveau que celle de l'essence, eh bien, ce que ça a provoqué, le mouvement des Gilets jaunes. Et on a dit beaucoup de choses sur ces Gilets jaunes, mais une première caractéristique de ces personnes-là, d'une part, ce n'est pas les plus pauvres de la société, c'est plutôt la classe moyenne inférieure. C'est les gens qui ont quand même une voiture. Les plus pauvres n'ont pas de voiture. C'est les gens qui ont souvent une résidence individuelle, qui reste modeste, mais qui est quand même une résidence individuelle, avec des charges derrière, et qui se retrouvent à travers une taxe supplémentaire qui est pertinente d'un point de vue écologique, même d'un point de vue, je dirais, économique, elle est pertinente. Eh bien, se retrouvent en disant, mais attendez, moi j'habite en périphérie, je dois utiliser ma voiture pour aller au travail, pour emmener les enfants à l'école, pour faire mes courses, pour faire toutes mes activités. Mes fins de mois sont déjà difficiles pour payer mon hypothèque, ma voiture et les autres activités de base, et j'y arrive pas, en fait. Et donc, c'est là où le pour moi, c'est très important de renouer le récit avec les enjeux, effectivement, d'un pacte social qui touche au territoire, qui touche à certains choix qu'on ne pourra pas toujours maintenir. Par exemple, une voiture électrique consomme beaucoup moins, mais sur son cycle de vie, c'est la moitié d'une voiture à essence. Ce n'est pas 10%. À Genève, on émet 11 tonnes de CO2 par habitant. La neutralité carbone est à 1 tonne. Donc, on a divisé par 10. Donc, de passer tout le parc automobile genevois à l'électrique, en fait, ça ne répond pas à l'entièreté. Ça nous fait un bon bout du chemin, mais ça ne répond pas à l'entièreté. Donc, finalement, oui, il faut un nouveau pacte social qui permette aux gens, et notamment, je pense, aux classes moyennes inférieures, parce que c'est là où ça n'a pas joué non plus sur la loi sur le CO2 en Suisse. C'est là où il y a les résistances les plus fortes. C'est quand les gens, ils ont leurs difficultés sur les fins de mois, ils sont tendus sur leur pouvoir d'achat. Ils peuvent acheter une voiture plus écolo, mais après, ils ne peuvent plus partir en vacances. C'est quand les gens sont face à ce genre de choix que ces petites choses évidentes de taxes, carbone, etc., eh bien, deviennent difficiles. Et donc, là, nous devons trouver le narratif, mais nous devons trouver les mécanismes qui permettent de renforcer les libertés individuelles, les libertés de choix, parce que derrière la lutte pour le pouvoir d'achat, c'est cela. C'est les libertés qui cherchent à s'exprimer, mais que ces libertés soient compatibles avec nos objectifs écologiques, en fait. Et c'est là où l'innovation économique et technologique doit rencontrer une innovation dans le discours politique et dans la capacité à créer aussi un message, une idée que ce futur-là, y compris pour les classes moyennes, classes moyennes inférieures, eh bien, c'est un futur désirable. Peut-être que pas tout le monde n'aura la voiture dernier cri, parce que c'est aussi ça qu'il faut dire en matière de vérité, mais que finalement, cette nouvelle société offrira peut-être plus de temps libre, plus d'espace naturel, plus de temps avec les amis, plus de temps avec la famille, et que ce gain-là, que le gain ne se transforme pas en pouvoir d'achat immédiat, mais se transforme en temps libre, eh bien, c'est aussi un projet de société enviable, en fait. Et c'est un message, je le comprends, un peu abstrait, mais je pense qu'il y a quelque chose qui ne marche plus et qui ne nous permettra pas et qui ne permettra pas aux dirigeants de rentrer chez eux et d'avoir des majorités parlementaires si on n'arrive pas à projeter finalement ce que sera cette vie de 2050, cette vie de nos enfants dans la neutralité carbone, en décrivant cette vie comme quelque chose d'apaisé et d'agréable, de créatif et surtout qui préserve les libertés individuelles. Et c'est cette articulation-là qui doit aujourd'hui, à mon sens, nous responsabiliser au niveau politique, parce que techniquement, on sait faire, mais aujourd'hui, on n'arrive plus à trouver des majorités. Thank you very much.
So before we open the floor to all of your questions, I wanted to ask one last question to Magali. I read about an interesting fact last week, which is that the climate strikes on the streets are mostly led by young women, whereas the climate summit is mostly led by, let's say, grown-up men. And I wanted to ask, what do you think is the role of women of kind of pushing sustainability in the industry in largely often still male-dominated sectors? So I think the people who were negotiating in COP were, you know, people, head of states type of people, and we know that it's not a majority of women. Now, when we look at the sustainability functions, I think in terms of percentage, we are certainly statistically way more women than others. Now, will be interesting to see how that evolves, because quite often jobs that are not so interesting, and sustainability until now, no one thought it was such an interesting job. We let women have them, and when they become core to the companies, and sometimes there can be a shift, so we'll see if that shift happens or not, maybe not. But I think more importantly is a diversity of thinking, and I think this is what is key here. And diversity, of course, is a gender, but it can be the background, it can be whatever, where you come from, nationality, etc. And we need to rethink the model. And we need to rethink the model to make it, you know, qualitative growth, to rethink the model, in my case, to build more with less, but while still making money, etc., etc. And to rethink the model, you can't use the old recipes, and you need to have people who think about it with different ideas, because they come from different backgrounds. And it's actually proven that a more diverse team are way more innovative, and it makes sense, because everyone comes from the same mold, from the same schools, you know, everyone has same profiles. It's quite difficult to have someone who is actually questioning the status quo. It's something I talk a lot about. You need to question the status quo, you need to come up with new ideas and question with the way we've been doing things forever. And that, you need diversity for that. So I think it will be, that's why I think women will have an important role to play, but more as bringing a different voice and looking at things necessarily than just trying to increase the diversity, even though it's one of my big fight in life. When I listen to your speeches, for me it's so obvious that we suffer about the cleavage instead of the systemic approach. And for my team at the Soil Impulse Foundation, I have the next project that we have to do. Because, look, we hear about the cleavage between men and women. We hear between the cleavage between the ecologist who attack the industry and the industry who is actually bringing ecological products. And we heard about the difficulty that Antonio was mentioning about creating majorities. And we have a terrible cleavage in our world between the left and the right, between the ecologist and the others, between the others and the ecologist. And actually, just look at the next time you have to vote for the Conseil National. You have the one who promote ecology, and we need ecology. You have the ones who promote solidarity, and we need solidarity. You have the one who promotes personal responsibility on entrepreneurship, and we need personal responsibility on entrepreneurship. And you have the one who promotes security, and we need security. So basically, we need all four of these values, but each one is carried by another party. No surprise that people don't vote, and we have 60% of abstention. Because we need all four of them, and we don't know for who to vote. And I think if we really want to move ahead in these climate change issues, we should make a coalition between all the parties just on that. And don't care about other things where people like to fight, but at least find the intersection between what we need in terms of solidarity, and this is the reduction of energy bill, the redistribution of the carbon tax in the populations and things like that,
The ecology, because without the ecology, we won't survive. But without the corporations, we won't survive either. And without security, everybody will be anxious. So it reminds me the difficulty to install solar panels because of the oppositions. And we know, for example, that without storage, we will not have renewable energies because most of them are intermittent. The best storage available today, maybe in the future it will be hydrogen. Today we already have batteries, but the best one is the pumping storage. You have two lakes, you pump the water from the lake of the bottom to the upper lake, when you have enough solar or wind energy, and you let it go down when you need to produce electricity with a turbine. I visited one of these above Martigny, absolutely incredible. You have the power of a nuclear power plant for during 30 hours to compensate the intermittence of renewable energies. We have two in Switzerland. There are two in France. You have a study that was made in Australia showing that you have 600,000 spots in the world where we can do it. 600,000. It's 100 times the quantity of storage we need if the entire world was on solar. Now, you try to make a new one in Switzerland, and you'll have oppositions. Bertrand. And I think these type of things have to be at the core of a coalition that is very precisely oriented between some political parties who agree just on this minimum part. They fight on the rest, but they keep a certain number of things here. And we have to include the activists for the protection du paysage, for protection des animaux, protection de la biodiversité, etc. And if we don't do it, I don't know how you will get the majority, because I would like you to have this majority to take actions. But today, this majority is destroyed by all the different oppositions. Thank you very much. I would just like to take the last minutes to take some questions from the audience. I guess many of you have questions. Merci beaucoup à vous quatre pour cette excellente discussion. J'aurais une première question pour vous, Monsieur Hodgers. Vous avez dit que vous avez la solution, vous avez un plan, vous nous avez parlé de votre plan de 200 pages pour la région de Genève. C'est très intéressant, mais la région de Genève, c'est manifestement une des régions les plus riches et développées du monde. Qu'en est-il du reste du monde? C'est un problème global. J'aimerais bien vous entendre un peu plus là-dessus. And well, the second question is for you, Mr. Picard. You said we need concrete ideas on the big words we've been listening in the past years. Like, could we hear a bit more about your 1,300 solutions, because I'd like to hear more about those concrete ideas and what your foundation has to bring us today. Thank you very much. Je suis représentant du gouvernement genevois, donc je fais un plan pour Genève, je veux bien faire le plan pour le monde aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que je vous l'ai dit, à Genève, et c'est d'autant plus important parce qu'on est effectivement un des plus riches pays du monde, et en plus Genève, un des plus riches cantons dans le plus riche pays du monde, c'est d'autant plus important de dire qu'on peut tout à fait, c'est économiquement totalement absorbable d'aller vers la neutralité carbone. D'ailleurs, by the way, l'Office fédéral de l'énergie a calculé, alors ils n'ont pas mis l'énergie grise, fine, passons sur la méthodologie, mais que la Suisse devait investir 8% de tous les investissements publics et privés pour atteindre la neutralité carbone en 2050. 8%, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, 8% de notre économie. Surtout sur plusieurs années. Et donc, le plan climat cantonal, il dit, 40% des émissions de CO2, c'est les immeubles à Genève. Rénovation, temps par année, 3 à 4%, on divise par 10. Aujourd'hui, quand on fait un nouvel immeuble, c'est divisé par 10. On rénove un immeuble, on peut diviser par 5 ou par 8 les émissions. Et tac, ça nous met à tant de CO2 sur ce poste-là. La mobilité, c'est moins 40% de voitures.
Et sur les voitures restantes, c'est 40% de parts électriques d'ici 2030. Et puis, donc, vous avez ce plan qui aligne secteur par secteur eh bien, ce qu'il faut faire. Le Conseil d'État a augmenté la part d'investissement sur la transition écologique, a doublé sur ces 10 prochaines années. On passe de 3 milliards à 6 milliards de francs. Et à cela s'ajoutent évidemment les investissements privés. Et sur un programme aussi qui rejoint ce qui a été dit sur les barrages de géothermie, peut-être à Genève, vous avez vu le mois passé les petits boîtiers orange partout. On a fait une grande échographie de tout le territoire genevois. Donc on a mis 20 000 géophones, c'était des petites boîtes comme ça qui traînaient partout. Et donc on va pouvoir aller sur la géothermie, c'est-à-dire vraiment sur la chaleur de la terre. Eh bien, le potentiel sur un petit territoire comme Genève est de 20% de notre consommation énergétique. 20%. C'est énorme. Donc, voilà, pour vous dire que les choses sont là, on a depuis 2017 une électricité 100% renouvelable et pratiquement 100% suisse, par choix politique. Nous allons interdire d'ici l'année prochaine les chaudières à mazout dans tous les bâtiments. Nous allons rendre obligatoire la rénovation énergétique des bâtiments les moins performants, y compris du secteur privé. Nous avons également mis en place, à travers un projet de loi, l'obligation de tri et de recyclage dans tous les foyers. Donc, on voit que je ne veux pas faire l'énorme liste, mais ce que je veux dire par là, à travers ce plan, c'est qu'on sait faire. Aujourd'hui, on sait théoriquement faire la neutralité carbone avec la technologie existante. Et tous les gains technologiques qu'on aura nous aideront à aller encore mieux, moins cher, plus vite, etc. Et donc, je reviens à mon propos principal, qui est le même qui a été tenu, à savoir qu'aujourd'hui, il faut surtout une volonté politique et aller transcender, évidemment, la question des partis. Je pense que la question de cette transition écologique est une question sociétale, économique, culturelle, je l'évoquais, qui dépasse aujourd'hui les clivages politiques. On doit la voir comme un enjeu aussi cher et aussi consensuel que l'est, par exemple, la démocratie. Tout le monde est démocrate, globalement. Tout le monde est démocrate. On doit aujourd'hui poser la question de cette transition écologique de la même manière, c'est-à-dire transcendant les enjeux électoraux et partisans. Je ne sais pas si je peux ajouter quelque chose, même si la question ne m'était pas adressée, mais je la prends quand même au vol. Les objectifs Holcim sont globaux. Donc, quand on dit qu'on va à net zéro ou moins 20% d'ici 2030 sur le CO2 par tonne de ciment, c'est dans le monde entier. Et en fait, c'est assez surprenant de voir que ce n'est pas toujours les pays qu'on croit qui sont les plus bas en CO2. Par exemple, un de nos pays qui sont très bas aujourd'hui, c'est l'Inde. On n'arrête pas de parler de l'Inde ce soir, c'est une coïncidence, mais c'est une réalité. Et c'est pour ça, quand tout à l'heure on parlait de que ce soit bon pour le business et bon pour l'écologie, une des manières pour nous de réduire notre CO2, pour faire le ciment, on chauffe le four à 1400 degrés. Et quand on remplace les énergies fossiles par des déchets, par des wastes, on réduit le CO2. Et ça, c'est sûr que quand on le fait en Europe et qu'il y a un prix du CO2, ben, évidemment, on a un incentive qui est supérieur et du coup, on va le faire plus vite. Donc, nos investissements vont être prioritairement en Europe, mais on peut le faire dans le monde, mais on le fait quand même dans le monde entier et on a un retour sur l'investissement légèrement plus long, mais ça reste quand même profitable. Et quand on voit les prix de l'énergie actuels, ben nos usines qui ont le plus avancé sont plutôt contents parce qu'ils gagnent beaucoup de sous en ce moment par rapport aux autres. Et donc ce n'est pas forcément une histoire géographique, ce n'est pas forcément une histoire de la richesse du pays pour faire avancer au niveau des entreprises. Alors, je ne vais pas répondre avec une liste à la Prévert, mais je vais vous expliquer à quoi elles servent ces solutions. Dans le domaine de l'eau, c'est tout ce qui permet d'économiser de l'eau, recycler de l'eau, purifier de l'eau et désaliniser de l'eau. Dans les domaines de l'énergie, c'est tout ce qui permet de produire de l'énergie renouvelable et propre. Mais quand on parle d'éolien, ce n'est pas que des grandes éoliennes qui prennent la vue des gens dans les villages. C'est aussi le windbox sur le bord des toits qui fait tourner des petites turbines totalement silencieuses en ville en utilisant les courants d'air qui sont dans les rues. C'est des panneaux solaires bifaces qui font en même temps du photovoltaïque et du thermique. Enfin,
des turbines qu'on met au fond des fleuves qui ne gênent pas les poissons et qui permettent d'avoir de l'énergie. Des petites turbines dans les conduites d'eau. C'est-à-dire tout ce qui permet d'utiliser ce qui existe déjà pour produire de l'énergie. Et puis ensuite, bien sûr, tout ce qui est efficience énergétique. Tout ce qui permet de réduire ces trois quarts de gaspillage ou d'inefficience avec des nouveaux types de matériaux d'isolation, avec des pompes à chaleur en ville. Mais alors, les pompes à chaleur, nous, on a un truc pour vous alors, qui est extraordinaire, qui est fait, et le grand paradoxe, c'est amené par une société pétrolière, Schlumberger, qui a trouvé un système pour pouvoir brancher des pompes à chaleur dans des centres-villes, alors qu'avant, les pompes à chaleur, c'était uniquement dans des maisons individuelles. Et eux, ils ont un système de forage en oblique. Vous avez pris. Et ben voilà. Donc on a engagé les pétroliers pour forer ben, à Genève. Et, excellent. On a dit que s'ils trouvaient du pétrole, on ne pouvait pas le toucher. Oui, oui. Dans la loi. Absolument. Ensuite, dans l'industrie, eh bien, c'est tous les processus industriels nouveaux. C'est le ciment à 50% décarboné de Holcim. C'est l'utilisation des agrégats de démolition pour faire du béton. Dans l'agriculture, c'est des moyens d'économiser en pesticides, d'économiser en engrais. C'est des semences qui sont entourées par des molécules qui permettent presque de se passer d'eau et d'engrais parce que ça crée un gel qui permet de pousser. En fait, c'est inouï de voir la créativité de tout ce qui existe. Et puis, évidemment, ça m'étonne beaucoup qu'on ne m'ait pas encore parlé d'aviation parce que d'habitude, la première question, c'est alors l'aviation propre, c'est quand ? Eh bien, l'aviation propre pour deux personnes et quatre personnes, c'est déjà. C'est André Borschberg qui est là avec H55. C'est des avions qui sont totalement... Oui. C'est des avions qui sont silencieux, qui sont propres et qui pourront voler dans les aéroclubs alors que les aéroclubs sont en train de fermer leur tour de piste à des avions polluants et bruyants. Donc, vous voyez que partout, il y a des choses qui avancent, et il faut simplement qu'elles fassent leur chemin jusqu'au bout, et pour ça, ben, on aura besoin de la politique, et on aura besoin de l'industrie. André. Je suis obligé de te répondre, Bertrand. Bonsoir. C'est merveilleux de te revoir sur scène, finalement, après toutes ces années. Donc, merci pour cette présentation. Merci pour le panel. C'est vrai que de notre côté, on a fait un spin-off de toutes les technologies qu'on avait développées ensemble pour développer l'aviation propre. Donc, on y travaille, on y croit. Ça viendra, ça prend un peu de temps. Mais c'est certainement un domaine où lequel on a beaucoup d'espoir, finalement, que la propulsion électrique permette d'avoir une aviation propre. Moi, j'avais une question, puisque finalement, ça m'a donné l'occasion de prendre le micro. La question que je me pose, depuis longtemps, c'est que les choses n'avancent pas assez vite, il faut les accélérer. Je pense qu'on est tous frustrés que ça ne bouge pas. J'ai l'impression qu'il faut beaucoup de moyens pour le faire. Et puis, ces moyens, finalement, ont une pression assez fortement inflationniste. Et finalement, vont mettre une partie de la population dans la difficulté. Il faut qu'on ait des taxes carbone, ça va rendre les choses plus chères. Les nouvelles technologies sont au départ plus chères. Je pense qu'on arrivera à les rendre beaucoup plus économiques dans le futur, mais la voiture électrique, elle est plus chère au départ. Et donc, il faut trouver une manière de compenser, finalement, ces classes sociales qui vont beaucoup souffrir. Alors, j'ai l'impression qu'il faut un plan Marshall. Donc, il faut, si on veut avoir une vision très positive, il faut être très ambitieux dans cette direction-là. Alors, je voulais savoir si vous pensez un petit peu dans la même direction ou si vous avez un avis sur cette question-là. Alors, je vais laisser Antonio répondre à une partie, puis je réponds Bertrand, à l'autre partie. Can I just suggest that we collect three questions because we're running a little bit late on time, and this way we can answer more questions. No, I have to answer to my friend. No, no. If we run a little bit over time, it's not a problem. I stay with words. If words don't work, ne me dis pas. Mais ne dis surtout pas, André, que l'aviation électrique va coûter plus cher parce que tu es labellisé par notre fondation parce que ton système est rentable et que voilà. Non. Et j'y crois que c'est rentable. Et toutes les solutions dont on a parlé, toutes les 1300 solutions,
Elles sont économiquement rentables pour celui qui les produit et pour le client qui les utilise. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'une société, une compagnie aérienne t'a chargé d'électrifier tous les hydravions qu'ils utilisent à Vancouver. Ça va leur coûter moins cher que d'utiliser du carburant. Ils anticipent évidemment le moment de la taxe carbone. Alors, pour les populations les plus démunies, il faut que ce soit un avantage d'utiliser ça. Et c'était là le grand malentendu de la taxe carbone. Les gens croyaient qu'ils allaient payer leur énergie plus cher parce qu'il y avait une taxe carbone. Mais en fait, la taxe carbone, elle oblige d'être plus efficient. Elle oblige d'isoler des bâtiments, de changer les chauffages, d'avoir des voitures qui consomment moins. Et en fin de compte, on y gagne. Mais c'est vrai qu'on y gagne avec deux moyens différents. Ou bien on a l'argent pour investir dans sa pompe à chaleur puis on le fait soi-même, ou on n'a pas l'argent pour le faire et il faut des prêts à taux zéro, ou alors il faut des leasings faits par les banques. BNP Paribas commence à faire ça justement pour des entrepreneurs qui veulent assainir leurs entreprises. Et même dans les pays en voie de développement, on voit que maintenant l'énergie renouvelable coûte moins cher que le fossile, qu'il y a des microgrids qui permettent de créer du développement local alors qu'il n'y a même pas l'argent qu'il faut pour ramener des câbles électriques dans ces régions qui sont totalement isolées. Et finalement, la paix, l'équilibre social, le développement économique, ce sera que par ces nouvelles technologies-là, parce qu'ils n'y arriveront jamais autrement. Parce que maintenant, c'est moins cher. Le solaire, c'est le quart du prix au Portugal, le quart du prix de l'électricité nucléaire ou fossile. C'est ahurissant maintenant. Et puis la voiture électrique, elle se démocratise. Dans 5 ans, ça coûte moins cher que les autres. Maintenant, ce n'est pas que la voiture électrique coûte plus cher, c'est que la voiture électrique, c'est un niveau de gamme qui est encore supérieur. Donc en fait, la Tesla, la première Tesla, c'était le niveau des BMW X5. Maintenant, c'est le prix des BMW X3. Ça descend. Et c'est encore plus significatif, pour te répondre, André, encore plus significatif pour les gens qui ont peu d'argent, parce que ceux qui vont réussir à économiser, ce sera peut-être 20-30% de pouvoir d'achat, alors que pour quelqu'un qui est très riche, ce sera insignifiant. Juste, plan Marshall, oui. C'est-à-dire, si on prend les autres transformations fortes, on peut parler à la révolution de l'agriculture, mais parlons plutôt 19e avec l'avènement du rail, le 20e, avec l'aventure aussi autour du pétrole, chaque fois que nos sociétés ont fait un saut en matière d'approvisionnement énergétique, elles ont fortement investi dans l'accès, le transport, la sécurisation de ces ressources-là. L'humanité, elle a déjà fait ça, d'ailleurs, sur ces deux derniers siècles, elle l'a fait avec, parfois de manière sanglante, d'ailleurs, pour accéder aux ressources. L'avantage de cette transition-là, de cette transition énergétique fondamentale, c'est que la ressource est beaucoup plus diffuse, à travers le solaire, à travers le vent, à travers l'eau, à travers la chaleur du sous-sol que j'évoquais tout à l'heure. Mais pour y accéder, comme Bertrand vient de le dire, c'est qu'à terme, ça rapporte. Donc, quand à terme, ça rapporte, c'est que c'est un investissement. Et cet investissement, aujourd'hui, pour des raisons de dynamique, mais pour aussi mettre à l'aise. Alors, il y a une grande partie de l'économie qui le fait elle-même, mais pour beaucoup de ménages, ça doit effectivement être l'État. Je pense qu'on est dans un moment où les États doivent investir parce qu'ils laisseront, parce que c'est une dette saine, entre guillemets. C'est une dette, mais c'est une dette, c'est un passif qui a en face un actif. Et l'actif, c'est quoi? C'est des infrastructures décarbonées. Ce n'est pas une dette où voilà, on flambe et puis on consomme les ressources et puis on verra, les générations futures paieront. Là, on emprunte aux générations futures, c'est ça une dette, c'est emprunter aux générations futures, mais en face de cette dette, on leur donne une société, on leur donne des infrastructures décarbonées. Donc oui, cette transition nécessitera des investissements publics massifs pour finalement faire coïncider ces enjeux de généralisation de cette transformation et l'accélérer et aussi de ramener une grande partie de ces classes moyennes inférieures qui ne peut pas attendre 5 ans ou 10 ans d'amortir finalement son investissement. Thank you very much. So now maybe we can collect a few questions. My name is Philippe Monnier. I represent several organizations. Maybe I ask my question in French. C'est une question pour Bertrand Piccard. Vous nous avez dit que vous avez montré votre livre sur l'Écosse au First Minister de l'Écosse, pas le Prime Minister, et que vous l'avez aussi montré à 22 ministres.
Est-ce que vous pourriez nous dire comment est-ce que ces 22 ministres ont réagi? Est-ce qu'ils sont déjà plus ou moins d'accord? Sinon, pourquoi? Peut-être, comme vous avez hinted, un manque de media support. Oui, alors, ils étaient tous très intéressés parce que je ne venais pas simplement leur dire « il faut protéger l'environnement », je venais leur dire « on peut stimuler votre économie ». Et ça, c'est vrai que ça doit être adapté à chaque pays. À Madagascar, on parlait d'énergie qui allait être moins chère. On ne parlait pas de rénovation des bâtiments. Avec le vice-ministre russe de l'énergie, on a eu un moment extraordinaire parce que je lui ai dit « c'est évidemment pas moi qui vais vous demander de baisser votre gaz, c'est complètement naïf ». Mais par contre, à l'intérieur du pays, voilà les domaines dans lesquels vous pouvez être plus efficient. Puis il a éclaté de rire en me disant « mais je suis totalement d'accord avec vous, je vous soutiens totalement parce que ça nous permettra d'exporter plus de gaz si on en consomme moins à l'intérieur du pays ». Donc c'est vrai, chaque pays trouve son avantage, mais il faut arriver à trouver comment leur parler et il faut personnaliser ce guide. Donc ce qu'on a proposé maintenant, c'est qu'ils envoient un représentant de leur administration au siège de la Fondation pour qu'on puisse les aider à fabriquer leur propre guide personnalisé. Mais vous savez, ce n'est pas qu'à l'étranger qu'il faut prendre ce langage-là. Moi, je me rappelle quand Swiss Clean Tech m'a demandé d'aller parler à des sénateurs de droite et de très à droite à Berne, et que je suis arrivé en leur disant « je viens vous parler de technologies propres qui vont créer de l'emploi et permettre des exportations », ils m'ont regardé en me disant « ça, c'est passionnant, on avait très peur que vous veniez nous parler de protection de l'environnement ». Okay, let's have one final question and then we close. Yes, thank you very much, Mr. Picard. This is very interesting and I like the whole concept of hope. And I want to leave here with hope, as you said. I know there are so many solutions and I think these solutions are ready, I'll agree with you. But I just want us one moment to think of the parts of the world, the part of the world from which I come, where most of what we use fossil fuel now for is for transport. But we do not have electricity. There are so many people, if you look in all, 600 million people in this world have no access to electricity. But now in this, I mean, we all know the solutions are there. But do you have hope that in some of those countries, we are going to be able to profit from these technologies that you are talking about? First, to give hope to people, to give them, first of all, electricity, and to give them not only for running their vehicles, but also for purely lighting, for instance. So what hope would you give me that I would go out of here today with? Thank you. I 100% agree on the fact that the poorest countries have to benefit from it. And if we don't have a just transition, we will have no climate transition. And how do we do that? You know, today, the poorest countries of the world get poorer every day more because they need to use foreign currencies to buy oil, gas, or coal. So they get poorer or poorer. Everything that is produced in the countries goes outside. If you install power lines and the centralized production of energy, you will never have enough money in these countries to give access to electricity in the periphery. So you need to produce energy locally. And the only way to do it locally and cheap is to do it with renewables. And today, there are some beautiful systems. Schneider Electric is providing these microgrids for poorer populations where they have solar cells, irrigation pump, battery, lighting system, electric plugs, electricity for the artisana. I don't know how you say artisana in English. And it creates a local development by leapfrogging. I don't know if you know this image because everybody speaks about it. Maybe you know it, but in Africa, in the poorest countries of Asia, they went directly from nothing to the mobile phone. They did not need to pull cables. And we can do exactly the same with the energy. Produce the energy in the periphery instead of bringing the energy with cables.
And how do the poor people pay? They pay with their smartphone. Because they all have a smartphone. And if they don't, the neighbor has. And they pay the energy of their solar panels a few cents as they use it. And it creates a completely new type of economy. It is done with the energy exactly like Mohamed Yunus has done with the microcredit. It's microenergy, and it works. Thank you very much. I think we're already over time. So I think with that, we're going to close. Thank you so much for your questions. Thank you so much.